Yo, you feel the pressure. Hey, salut les amis, comment ça va? Moi ça va plutôt super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur la série modée. Voilà, épisode 3. Aujourd'hui je pense qu'on va aller visiter un petit peu soit les fonds marins, soit la crevasse qu'on a trouvée dans l'épisode dernier. Donc si tu l'as pas vu, bah, je t'invite tout simplement à aller voir l'épisode précédent. Donc du coup aujourd'hui les amis, on va aller un petit peu visiter ce qui nous entoure. Donc à commencer par la crevasse qu'on a vue la dernière fois. Bon, je sais pas toujours, pas pourquoi je suis toujours en Jika. Ça me casse un peu les pieds. Du coup on va aller voir un petit peu ce qu'on a en bas. Donc du coup j'ai pris déjà un petit peu de stuff, un petit peu de trucs. Là on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en bas parce que j'ai vite fait été voir. Vous pouvez voir, je suis déjà mort un peu dedans. Mais j'ai pas encore visité, donc du coup j'ai visité avec vous. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, rien du tout. J'ai juste voulu avoir une chauve-souris. Et énorme déception, on peut pas voler avec. Ah non, parce que vous pouvez voir, je l'ai là. On est d'accord. Voilà, je ne peux pas voler. Je sais pas pourquoi je peux pas. Alors pourquoi, je sais pas. Du coup, chauve-souris, ça sert à rien. Donc, voilà. Hop. Donc, du coup, on va descendre tout en bas. Et je suis tombé là, en fait, la dernière fois. Je suis tombé juste là. En descendant, en fait. Donc, je suis tombé. Ouais, comme là. Donc, du coup, j'avais pas fini de miner. Pour y arriver. Torche là. Du coup, je pense à vous, j'ai pris des torches. Sinon, vous voyez pas grand chose. Alors je sais pas trop ce qu'il y a. J'ai pas encore été, donc surprise avec vous. Visiblement déjà on est bas parce qu'il y a de la lave. On est dans des couches assez basses. Alors je sais pas pourquoi, je sens pas que je sens pas du tout que je suis assez stuff pour y aller. Je le sens pas. Ouais non, en fait je le sens pas. Il est vraiment con. Donc là, hop, on met un waypoint. Sortie. Ah, nouveau waypoint. Sortie. Grotte. On va marquer crevasse. Alors, je sais pas comment ça s'écrit, alors voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Sortie crevasse, il est là. D'accord. Bon ça c'est corps des zombies donc ça va, mais... Voilà. Oh du coup on a un nouveau chapeau. Alors vraiment s'il y en a autant que ça, on va peut-être pas aimer. Ça c'est quoi? C'est de l'émeraude? Y'a de l'émeraude à cette couche là? Ah ouais. Du coup aujourd'hui ça va être un petit peu du minage. Faut bien passer par là un jour ou un autre. Parce qu'une aventure ça n'avance pas si on ne mine pas. Bien sûr, il y aura des coupures, etc. parce que sinon, ça va pas être très très passionnant pour vous. Bien sûr, j'essaie tout le temps de mettre de la lumière pour que vous ayez de quoi voir. Sinon, pour vous, ça va pas être très très passionnant. Déjà que miner, c'est pas très très passionnant. Alors, si vous voyez rien, ça va être l'être encore moins. Comment ça se fait qu'il y a de l'émeraude à cette couche-là? Et surtout, autant. C'est déjà le deuxième, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, on est couche 32. Ah, ça c'est quoi? What, c'est quoi ça? J'ai pas envie de savoir ce que ça fait. Ah, c'est ces creepers là! Ouais, d'accord. Ouais? Comment ça se fait que ça m'a TP là? Moi je veux bien, mais non. Que ça me donne à la limite de la nausée. Ok, mais que ça me TP, non? Ouais, d'accord. Mais encore. Bon, c'est bien, moi on a trouvé un spawner. What? Bon, déjà, ce qu'on va faire. On va
Voilà. C'est quoi? Ok. On va le safe. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les coffres. Je pense qu'il est safe là. Bon, du coup, on va vérifier un petit peu ce qu'il y a dans les coffres. Programmeur de matrice logique. Oh. Ah, des méga rubber saplings. Ça, les rubber saplings, c'est ce qui va nous donner le rubber. Vous savez ce qui nous manquait le dernier coup là? Pour faire les machines là, le... Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Genre, la chauve-souris là, si je la touche, c'est encore la même que j'ai déjà. Et ça donne des. C'est quoi ça? Batwing. Ça sert à. Bâton de l'End. Waouh. Ça vient de Reliquary. C'est quoi? Randigal. Ouais, il y a tellement de trucs à faire. On va prendre les os pour faire de la poudre d'os. Je pense que c'est le plus important. Et on viendra chercher ça tout à l'heure. Enfin, juste après quoi. Du coup, je vous fais une petite ellipse, le temps de remonter là-haut et je vous dis à tout de suite. Bon, alors, relégeant, donc du coup, j'ai décidé de refaire un coffre. Enfin non, c'est le coffre que j'ai récupéré là-bas, vous savez, à la base... Enfin, à la tour sous-marine. Du coup, on va mettre tout ce qu'on a récupéré dedans. Donc ça non, ça y était pas, ça non plus. Ça oui, ça. Ça. You! Oh, eh oh. Où tu rentres déjà, toi? On va mourir. Voilà. Ça, c'est fait. Bruh. Je sais pas ce que c'était. What the hell? Bonjour, toi. D'accord. Ouais, non, mais d'accord, y'a pas de problème. Maintenant, on va aller dehors. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Pas loot mon épée. Non, il m'a pas vu. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça fait mal. Je. Bonjour. Pourquoi tu me fais du mal? J'ai que deux cœurs, je peux rien faire. Je pense que plus tard on se fera un dôme en verre hein, au-dessus hein, parce que. Il fait peur lui. Bon, écoute. D'accord. En fait, il a pas de vie. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Pulvérisé d'obsidienne. On s'en va l'équipe. Là. On n'a pas loot grand chose. Hein. Ouais, n'empêche, je me suis fait combo là. C'est. Ouais. Ça fait assez mal, on va pas se mentir. Donc, re les amis, donc ça y est, je suis revenu là où on était avant. Je pense qu'il reste plus que deux torches, malheureusement. Du coup, on va voir un peu ce qu'on a par là. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, après c'est la fin. Là, on a du copper. Ah, d'accord, enfin, c'est des gros packs de copper. C'est carrément bien. Mec, en fait, c'est même pas fini en fait. C'est quoi ça? Bon, il y a tellement de trucs. Déjà, je pense que dans le prochain épisode, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans les alentours de la base.
On va laisser un peu explorer autour. Ça, c'est quoi? La sidérale. D'accord. Donc, j'ai vu une autre crevasse hein, qu'on a vu tout à l'heure. Que j'irai sûrement visiter hors caméra. Si elle est grande, bah, je ferai une vidéo dessus. Hein. Écoutez. Mais je pense que pour le prochain épisode, on verra un peu ce qu'il y a aux alentours. Bah, d'accord. Donc, en fait, là, on a fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter et on va aller visiter, comme je vous ai dit, un peu les fonds marins. Donc, relégeant, donc ça y est. On est remonté à la surface, etc. J'entends un Enderman, ça casse les couilles. Donc, ça y est, on est remonté. Donc, du coup, voilà, j'ai re-ramené un coffre, les deux coffres qu'il y avait dans. Du spawner, j'ai ramené. Il y a tout ça en tout. On va prendre tous les minerais, tiens, on va les regrouper ensemble. Ça, c'est un minerai. Poudre à canon, non. Essence, non. Bah, en fait, j'en ai pas tant. Du soufre aussi. Obsidienne, on va dire que oui. Pas tant que ça, hein. Hop. Donc on va prendre tout ce qui est ça non. Bon. Voilà, et on va le mettre dans ce coffre-là. Tac et tac. Neuf minerais de fer, j'en ai pas plus que ça. Mais tu m'as fait peur là. Tac. Planche de pain, on s'en fout, ça non, ça oui. Ça, ok. Là, voilà, et tout ça, on pose là-dedans. Voilà, du coup, du fer, on en a 49. C'est pas trop mal. Du coup, on va aller visiter un petit peu les fonds marins pour la fin de la vidéo. Hop, on récupère un peu le blé en même temps. Ah oui, pour ceux qui se demandent. Les côtelettes, je les ai eues là derrière. Il y a des cochons derrière. Donc j'ai tué les cochons et voilà. Donc là, on va visiter un peu les fonds marins, comme je vous avais dit la fois dernière. D'ailleurs, si t'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le voir. On va aller dans les fonds. Hop, on se met là. Voilà. Hop, putain, c'est beau, n'empêche. Hein. C'est peut-être en F1. Bon, tous les poulpes là, c'est quoi le regroupement? C'est quoi ça? C'est que ça flotte. C'est quoi? Des algues. D'accord. Bruh. Y a pas grand chose sous l'eau. Hein. Déçu. Ah, ça, il me faut ça. On les essayera après, hein, tous les masques. Enfin, ça, tous les. Ouais, tous les chapeaux, quoi. Pour la fin de la vidéo, on les essayera. Donc, relégeant, donc ça y est. Enfin, on est rentré à la base. Donc, du coup, voilà, j'ai profité pour aller faire un petit tour. Un petit. Voilà. Juste là sur les montagnes, là, juste jusqu'à là, vite fait, très rapidement, puis je suis rentré à la base. Et donc, du coup, on se retrouve pour vérifier, enfin, pour regarder un peu les chapeaux simplement qu'on a eu. Donc, du coup, ça y est, j'ai retrouvé mon skin. Pourquoi j'en sais rien, mais j'ai retrouvé mon skin. Il est réapparu comme ça. Voilà. Alors, pourquoi il est revenu comme ça, j'en sais rien, mais j'espère qu'il va rester. Parce que j'en avais marre d'éteindre Jean-Kevin. Du coup. Bon, donc du coup, les amis, on va regarder un petit peu ce qu'on a en chapeau. Alors, attendez, du coup, on va se mettre là derrière. Là, on va se mettre là. Voilà. Du coup, on a tout ça. Le premier, on a le Dead Main. Je trouve que ça va bien. Bon, ça fait beaucoup de violet, je trouve, mais c'est pas trop mal, hein. On dirait un aviateur un peu. Alors n'hésitez pas à me dire celui que je garde. Donc là c'est Dead Main. Tiger Ray. Donc sur la tête j'ai un tigre. Peut pas le tourner. Après genre je peux changer sa couleur.
Et si je le mets un peu plus transparent comme ça, et que j'essaye de le mettre blanc. Voilà. Et comme ça donne quoi? C'est pas trop mal, hein? C'est pas très très beau, mais. Mais bon. Du coup, après, on a. Ça. Le monsieur Gripper. Clairement, c'est la mort. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Côté esthétique. Derrière, ça donne ça. Et devant, ça donne ça. Voilà. Donc, je vais choisir dans les commentaires ce que vous voulez. Ça m'a une carte. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop présenter. Je pense que la forme, voilà. Cake hat. Il est pas mal celui-là. On peut passer 3 ans plus dessus. Cut Oslo. Cute Oslo hat. Putain, il est mignon celui-là. Enfin, je sais pas, je trouve pas mal. Bon, par contre, juste là, il faut 4 blocs de haut. Ce qui va pas tout le temps être possible. Et le poisson, il est pas très très épais. Hein. Pas se mentir, on se met comme ça, on le voit pas. Hein. Donc bon. À la limite, il faudrait juste un peu l'épaissir un hein, poisson. C'est quoi ce qu'il y a là-bas en haut? En jaune, c'est quoi? Ça doit être un zombie. Non, parce que du coup, les mobs qu'il y a là-dehors, c'est incroyable. Hein. Je vous raconte pas le bordel. Hein. Après, on a Stone Mask. On est avec mon skin, ça ne passe plus. Bref. Suspicious Hat. Suspicious, d'accord. On croit qu'il y a un micro au-dessus. Ça fait genre interview. Moi j'aimerais bien c'est le truc avec la caméra et le micro. Là ça ferait vraiment bien. Et le Wither Boss. Eh ça va trop bien ça. En plus j'ai le truc de Vegeta juste devant lui et tout. Ça fait genre un Wither Vegeta et tout. Je pense que celui-là je vais le garder pour l'instant. Il est trop stylé. Donc sur ce les amis, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah, je te dis à la prochaine, quoi. Voilà. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ciao! Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.